Salut Lapinou et bienvenue sur ce nouveau format Bricole en vrac. Cette semaine, je vous présente ce nouveau format qui s'appelle donc Bricole en vrac, où on va essayer de réparer des petites choses du quotidien au lieu de les jeter et d'en racheter d'autres. Et souvent, c'est réparable assez facilement et c'est à la portée de tous. Donc, ces petites vidéos sont là pour essayer de vous faire franchir le pas, de dire on ne jette pas, on va essayer d'ouvrir la bestiole et essayer de réparer. Aujourd'hui, on s'attarde sur une brosse à dents électrique qui ne marche plus. On va essayer de la réparer. Pour ce premier numéro de Bricole en vrac, on va s'attaquer à une brosse à dents électrique. C'est une brosse à dents à pile, donc pas à batterie. Donc on n'a pas le problème de dire c'est la batterie qui déconne. On appuie dessus, il n'y a rien qui marche. Et les piles sont neuves. Donc on va retirer les piles d'abord. Et on va essayer de comprendre comment ça marche, comment on peut le démonter. Parce que sur ce genre de matériel, en fait, il faut qu'il y ait le moins de joints possible. Donc pour que ça soit le plus étanche possible. Donc le seul endroit pour le démonter, ça va être l'intérieur. Voilà comment ça se présente. On a deux languettes. Alors pour ce modèle-là, évidemment, tous les modèles sont différents. Dans des encoches sur le côté. Donc il va falloir que... Là, en fait, cette languette, apparemment, elle a l'air de bouger. Voilà, on peut la faire bouger légèrement comme ça pour pouvoir appuyer les deux côtés. C'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà. Alors là, ce genre de modèle, normalement, il n'y a pas grand-chose. Niveau technologie, hein, on n'est pas sur de la high-tech, puisque, en gros, c'est juste un moteur avec, en gros, un régulateur et limite une tempo ou un truc comme ça, c'est tout. Ce qui peut casser réellement dedans, c'est du fil, ou ça peut être de l'eau qui s'est infiltrée et qui a fait griller un peu le système. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, on va déjà tout démonter. On va voir si les fils ne sont pas... ne se sont pas dessoudés à un endroit, ce qui est possible. Donc, tournevis. Alors si vous avez peur de ne pas savoir le remonter, n'hésitez pas à prendre des photos et de bien classer les vis par ordre de démontage, puisqu'il faudra le remonter dans l'ordre inverse du démontage. Alors ils ont tout fait pour pas que ça soit démontable. En fait, ce qu'ils ont fait, je ne sais pas si on voit ici, c'est qu'ils ont, au lieu de visser cette plaque sur le plastique ou de la fixer en la glissant, en faisant un insert et la glisser, ils ont préféré opter pour du rivet plastique. C'est en gros, il y avait des tiges en plastique qu'ils ont fondues pour écraser le plastique pour pas qu'on puisse le démonter. On va essayer de dégoupiller un seul. Voilà, donc ça y est, on a notre partie. Donc là, on peut voir le système, hein, c'est juste un moteur avec une cam avec un axe désaxé. Il y a juste un petit éton qui vient déplacer ceci pour faire tourner un quart de tour dans un sens et dans l'autre la brosse à dents. Donc rien de compliqué. Oui, mon chat. Miaou. Bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je me fais attaquer par un chasila. Non. Donc on va vérifier la carte. Donc la carte, il n'y a rien, c'est que du composant en surface, du CMS. Alors là, en gros, sur ce genre de système, si c'est pas le moteur qui a grillé, et si c'est pas un problème de fil, de soudure à ce niveau-là, c'est soit les composants-là qui ont grillé, ce qui est probable, parce que c'est pas non plus du haut de gamme, soit c'est une micro-fissure qu'il y a sur la carte. Donc si elle est tombée, je sais pas si elle est tombée celle-là, si elle est tombée, c'est possible qu'il y ait une soudure qui s'est légèrement décollée et au final, ça ne crée plus le contact pour pouvoir fonctionner. Donc on va tester. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le fer à souder et on va refaire quelques soudures. Avant de refaire des points de soudure, on va juste repointer un peu toutes les petites soudures qu'il y a. On va nettoyer le circuit avec de l'alcool ménager, de la colle à brûler et un coton-tige. L'avantage de la colle à brûler, c'est qu'il nettoie plutôt bien et surtout, il s'évapore très vite. Donc dès qu'il est sec, il ne laisse pas de dépôt et on peut venir travailler un peu. Vous voyez, c'est très vite sale. Alors ça pourrait être le moteur aussi qui est grillé, mais la brosse à dents est quand même relativement récente. Un moteur comme ça, ça grille pas comme ça. Ce genre de moteur, c'est
quasi increvable pour ce genre d'utilisation. On va venir faire tous les points de soudure accessibles. Donc je vais refaire ces points de soudure là autour du... C'est quoi, c'est un régulateur on dirait? Et à chaque fil, on va refaire chaque point de soudure. Je vais refaire par mesure de précaution les points qui sont là et je vais refaire ceux du bouton surtout parce que c'est peut-être juste le bouton en fait qui ne marche pas. Je testerai ça après. Allez, on y va. J'ai refait les soudures du circuit intégré qui est ici, dont je n'arrive pas à lire la référence d'ailleurs. J'ai refait les soudures du bouton, des fils ici, et l'autre qui était de l'autre côté, parce que je l'ai revissé là, à ce niveau-là. Et on va tester pour voir ce que ça donne, juste comme ceci. Et verdict, est-ce que c'était une micro-fissure? Vous l'entendez? La brosse à dents est réparée, on va maintenant la remonter. Le petit point qu'on avait tout à l'heure qui maintenait la carte, on va essayer de le refaire avec le fer à souder. On remet le tout là-dedans, on reteste avec les piles à ce niveau-là pour bien vérifier que tout remarche. Donc voilà, une brosse à dents de réparer. Et ça évite d'en rajouter une autre et ça évite de le jeter surtout. Voilà, la brosse à dents est réparée, mission accomplie. On se retrouve la prochaine fois pour... le prochain objet qui pètera dans ma maison. Ce format-là ne sera pas hyper régulier, tout comme les autres, parce que ça fait 8 mois que j'ai pas posté une vidéo, évidemment. Il sera en fonction de ce qui tombe en panne chez moi ou ce qu'on m'amène à réparer. J'essaierai de vous faire une vidéo le plus claire possible et le plus accessible possible. Évidemment, on ne traitera pas de sujets de gros électroménagers parce qu'il y a beaucoup de dangers là-dessus. Par exemple, n'essayez pas d'ouvrir vous-même un micro-ondes, par exemple. C'est assez dangereux si vous n'avez pas les connaissances ni les outils pour. Pareil pour les vieilles télé cathodiques, même si les réparations ont souvent un coût aux alentours de 2 à 10 euros pour une grosse télé. Mais malgré ça, pour tous les rétro gamers, n'essayez pas parce qu'il y a quand même un petit composant qui s'appelle la THT, très haute tension. Et se prendre une châtaigne à entre 15 000 et 60 000 volts, ça fait mal. Promis, j'ai testé. Du coup, on traitera de tout ce qui est petite électronique. S'il y a des outils qui pètent, des outils, des petits trucs mécaniques, voir comment on peut bricoler, comment on peut arranger des choses ou les recycler tout simplement pour de faire un truc automatique, d'en faire un truc manuel par exemple, si on peut éviter de jeter et de l'utiliser encore une fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je ne suis plus régulier du tout sur YouTube parce que je ne prends plus le temps de faire des vidéos ces derniers temps. Mais je suis assez régulier sur Twitch où je fais du gaming, rétro gaming et oui, principalement du rétro gaming. Et du coup, vous pourrez trouver les liens dans la description. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et ciao les lapinous.